Hey, salut tout le monde, ça c'est les ponts, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui sur Minecraft pour une construction de trampoline dans ce monde de fou de survie. Bon, les trampolines, j'ai programmé par là-bas, ici, là, par là, 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 là. Vous voyez le truc un peu loin, un peu blanc. Ben, c'est là-bas que je vais faire les trampolines. Donc, on a besoin de boules de slime. Bon, ne prenez pas compte de tout ce qu'il y a sur l'inventaire. D'ailleurs, il faut que j'évite pas mal. Donc, on a besoin de du bois, enfin du bois de chêne et bois de plancher de bouleau. On a besoin de la vitre, hein, vous allez comprendre pourquoi. Bon, allez, sans plus attendre, on va y aller sur place, que je vous explique un peu comment ça va se passer. Donc, là, ça, c'est rien à voir, hein, c'est juste le mur. Donc, c'est comme à la piscine. Mais comme je suis en restreint des boules de slime, des blocs de slime, donc ça ne ressemble pas du tout à un trampoline. Hein. Il faut vraiment être réaliste parce que je n'ai pas assez de blocs. Donc du coup, j'ai fait à cette manière-là. Voilà, donc la finition, vous allez voir. Hein. Allez, je vais boucher ici en attendant. Déjà pour voir du verre partout. Voilà, hop, voilà. Donc ici, j'ai décidé de casser comme ça. Ça ressemble à un petit rectangle octogone, mais bon, voilà, c'est cette forme-là. Maintenant, je vais remplir le sol. Pour remplir le sol, je vais prendre plancher, enfin, planche de chêne. Voilà, hop, je vais mettre là. Comme ça, le sol. Moi, j'aime bien toujours couvrir le sol. Hein. J'aime pas construire directement ou sur la terre. J'aime pas du tout ça et je préfère construire avec le sol en bas, quoi. Comme en vrai, pour mettre le sol et après, bah, on continue la construction. Donc là, ça va être le sol. Voilà, voilà, voilà. Faut enlever ça. Ça va être moche sinon. Hop. Voilà, maintenant je vais prendre les blocs de slime, hein, juste pour voir jusqu'où je peux y aller. Hop, voilà, comme ça, je vais faire le tour. Mais je pense que je n'aurai pas assez, mes amis. Alors, comment je vais faire? Déjà, hop, je vais aller par là, je vais aller chercher. Enfin, j'en ai encore un sac, hein. Après, je ne sais pas du tout comment je vais me débrouiller pour finir le reste. Donc, sur un sac, je peux faire que 7 blocs, ça va être chaud tout ça, ça va être vraiment chaud, 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 patate. Hop, donc là, si je complète ici, comme ça, quoique, il y a moyen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc si j'en ai fait 7, est-ce qu'avec un autre sac? Attendez, je vais aller voir dans mon coffre. C'est bon, je vais pouvoir peut-être compléter le reste. Donc du coup, j'ai fouillé un petit peu le coffre. Hein. Hop, ça, je vais ranger. Comme ça va plus déranger. Ouais, c'est ça aussi. En attendant, l'œil de l'Enderman. Du coup, bah, j'ai 9. Je n'ai peut-être pas assez. Oh, peut-être que je peux faire encore un autre. Ouais. Non, non. Bon, j'ai 9 de plus. Donc, du coup, il faut improviser. Faut voir. C'est pas du tout ce qui était prévu, mais je vais voir. Attendez. Je vais juste les tester. Hop, je me suis trompé. Hop, ici, je vais compléter comme ça. Voilà, déjà, ça fait. Quand on saute, regardez. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Donc, du coup, ce qui va manquer. Aïe 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 aïe. Il faut que je réduise l'espace. Mais ça va être. Ça va pas être très très joli si je réduis l'espace. Mais si je laisse comme ça, de là-haut. Fiou. Fiou. Donc, je vais me trouver aplati. Donc, c'est pas le but. Alors, il faut que j'ai une solution. Alors, la solution, c'est de réduire. Donc, ici, ok. Bon.
Bon, donc il faut tout modifier. Sur le coup, il faut que je prends la taille exactement de l'arrivée, hein. Ah, malheureusement, je peux. Ou alors réduire ici, réduire par là. Ouais, je peux faire ça aussi, mais je pense que c'est plus simple, hein. Réduire ici et compléter ici. Ok, bah, je suis allé dans le plus simple. Voilà. Et ensuite, bah, je vais prendre un peu de planche. Hop, le tour est joué. Le tour est joué. Donc là, j'ai aucun risque normalement, sauf si je saute. Hein. On sait tous que si on saute, bah, c'est la fin. Et maintenant, je vais faire la sécurité. Alors, est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Bon, la sécurité, je ne vais pas mettre très haut parce que... Et la sécurité, je vais mettre en vitre. Pour que ce soit plus joli. Alors, la sécurité, je vais mettre 3, 1, 2, 3. Voilà. Donc, hop, j'ai mis un bloc. Oula, il fait nuit. Je vais dormir parce que sinon, je vais être harcelé tous les 5 minutes. Hein. Alors, évidemment, il faut une sortie. Donc, la sortie, ce sera... Allez, ici. La sortie, ce sera juste en dessous. Comme ça, on ne serait pas dérangé. Donc, limite, hein, je vais mettre comme ça. On va aller voir de loin après pour voir si c'est bon ou pas. Voilà. Hop. Ici, alors il faut compléter. Voilà, comme ça. Voilà. Ah, ben ici, j'ai failli oublier. Alors, est-ce que j'en ai assez pour les blocs? J'espère que oui, hein. Voilà, hop. Vraiment se concentrer là. Est-ce qu'il faut que j'aille chercher encore de la vitre? J'espère que non. Ah ouais, j'en ai assez, hein. Je pense que j'en ai assez. Hop, voilà. Voilà. Ici. Ouais, ici. Ouais, j'étais en train de réfléchir pour savoir est-ce que j'allais jusqu'au bout ou pas. Et là, c'est la sortie normalement. Oh, les petits sauts. Hop, voilà, j'ai terminé. J'ai terminé. Peut-être que... Ah, il y a un endroit ici que j'ai oublié. Voilà, ça donne ça. Du coup, ça donne ça. Ça donne ça. Et je regarde sur l'autre côté. Voilà. Donc ça change. Enfin, je peux très bien mettre les barrières en... Comment dire? En fer. Mais bon, en vitre, je trouve que c'est plus stylé. Mais par contre, il faut que je mette de la lumière autour parce que sinon je vais me faire allumer par les zombies. Du coup, les lumières, ben, bon, pour l'instant, ça va être moche. Hein. Je vais mettre ça. Je vais mettre des petits trucs comme ça là autour. Voilà. On verra bien par la suite. Si ça spawn, ben, on va tout simplement les tuer. Hein. Maintenant, j'en ai besoin des planches. Beaucoup beaucoup de planches pour faire le sol déjà. Et voilà, le sol de pour aller, ben c'est fini. Et maintenant le sol au-dessus complété. Voilà, c'est fini le sol au-dessus. Et après il faut que j'imagine, comment on doit monter là-haut. Mais bon, je vais faire un escalier classique parce que on imagine que les enfants ils vont pas monter à l'échelle. Hein. C'est très dangereux pour les enfants de monter à l'échelle. Hein. Il faut pas faire à la maison les enfants. Il faut pas monter à l'échelle. Il faut monter. Même dans l'escalier, il faut bien sécuriser. Mais la poule, elle fait quoi là? Elle veut pas que je travaille quoi? Mais la poule, elle veut pas que je finisse mon travail. Hein. Alors, maintenant que j'ai quitté, il dit, tu peux travailler. Regardez où est-ce qu'il est. Est-ce qu'il est parti là-bas? Ah, j'ai plus de bois. Du coup, il faut que je refasse
Des planches. Ah, il en faut beaucoup, hein. Il en faut beaucoup, beaucoup de planches là. Hop, je fais au fur et à mesure parce que mon inventaire, il est plein. Voilà, c'est terminé. Ici, je vais fermer plus tard avec. Ah, mais j'ai même pas pensé que j'avais pas fini le mur. Ici, j'en ai plein à faire. Bon, je vais commencer. Voilà, le mur est terminé et même le plafond, hein, c'est fait. L'idée, c'est que je vais pas faire en toit, hein, je vais juste laisser comme ça. Et là, l'escalier pour monter. Ok, bon, j'ai pas complètement fini. Bon, je vais mettre les vitres, hein, hop. Comme ça, ce sera fait. Ici. Ici. Ensuite, ou encore ici aussi. On a beaucoup de fenêtres hein, pour. Oh, j'ai plus de vitres. Bon, je verrai ça plus tard. Donc, ici, hop, pour compléter la sécurité, je vais toujours comme ça. Hein. L'escalier, hop, voilà. Ici, comme ça. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, je rajoute. L'essentiel. Ah, il manque un petit peu. Voilà, là c'est fait. Non, c'est pas tout à fait fini, mais voilà, je rajoute aussi ici. On monte au fur et à mesure, hein. On touche presque à la fin. Je casse jusqu'à ce que je peux monter au-dessus. Voilà, là je peux monter complètement. Oh, il y a un problème. Oh, il y avait un problème. Bon, le problème sera résolu très vite. Voilà. Là, j'ai terminé. J'ai terminé pour monter au-dessus. Donc, le but, c'est que ça, je vais laisser pour les enfants. Hop. Voilà, là, là, là. C'est pas tout à fait fini tout ça. Ok. Bon. Si je tombe directement comme ça va faire badaboum. Bon, je suis obligé de rajouter mes amis ici. Hop, comme ça au moins, on n'aura pas d'accident. Donc ici, je vais recasser. Hop, comme ça. Et recompléter par planche de chêne. Ici, bien sûr, il y en a de trop. Voilà. Et ici, voilà, c'est bon. Maintenant que c'est fait, je vais rajouter les barrières autour. Hein. Les barrières en rouge, comme je les aime bien, j'espère que j'en ai assez pour compléter le reste. Ici, comme ça. Comme ça, et les enfants, ils vont pas tomber. Ah, que ce soit les enfants ou les adultes, hein, pareil. Hein. Donc, il faut bien sécuriser, comme ça. D'ailleurs, quand même, quand je construis, hein, je fais toujours de manière où je recule pour ne pas tomber. C'est fait exprès. Hop, comme ça. Voilà. Et ici, c'est pas fini. On va faire un petit test hein, après. Hein, ne vous inquiétez pas. Hop, voilà. Ah, c'est terminé. Non, il y en a encore. J'ai encore des barrières. Hop. J'ai fait suffisamment. Voilà, donc ici c'est bon, c'est sécurité. Ah, il manque un petit peu de sécurité par là. Ici, ça se complète. Ah, je vais fermer tout. Mais non, mais non, mais non, j'ai tout fermé. Comment je vais faire maintenant pour rentrer? Ah, voilà, c'est mieux comme ça. N'est-ce pas? C'est mieux comme ça. Donc ici, c'est prévu pour les enfants. Hein? Ici, hop. Oh! Les trampolines, c'est génial. Ah, ici, un petit peu de barrière aussi. Hein. Ici, on va mettre barrière comme ça, au moins. Il n'y a pas de fraude. Hein. Comme ça, il n'y aura pas de fraude. Pour les enfants qui veulent jouer, on va dire, sans payer. Non, non, merci. Il faut payer avant de jouer, il faut payer. Alors ici, est-ce que j'ai rajouté... Par contre, ici, je vais faire un truc différemment. Je viens de penser qu'il faut doubler la barrière parce que si je rajoute des escaliers ici,
Bah, forcément, il y aura des défaillances. Non, pour l'instant, on s'en fout, mes amis. On va pas faire le crevard. Hein. On va d'abord s'amuser. Alors, je vais recommencer. C'est pas le premier enfant qui s'amuse. Franchement, j'adore. Mais par contre, hein, il faut pas louper. Vraiment, il faut pas louper le coup là parce que sinon, c'est risque et péril. Et pour les adultes, j'ai pensé de monter un petit peu plus haut. Et voilà, je terminais le pont le plus haut. Enfin, pas encore tout à fait fini. Je vais rajouter les échelles. Donc ici, normalement, ça doit être interdit pour les enfants. Ils doivent savoir, hein. Hop, il faut pas que je tombe de là-haut. Hein. Oh. Je rajoute au fur et à mesure. Hop, allez, je vais y arriver. Je vais y arriver. Je veux pas que je tombe. Voilà. Ouh, on a déjà le frisson arrivé là-haut. Je me demande si je vais pas mettre la sécurité derrière pour éviter d'être fait pour. Faut penser à tout, hein. Je vais rajouter la sécurité derrière comme ça. Si vu la hauteur, ça va être un peu chaud, quoi, de tomber. Non, je peux pas rajouter. Attendez, je vais rajouter ici. Hop, comme ça. Mais bon, après, c'est. Après, on va dire, ça n'empêche pas le trou hein, de l'échelle. Hein. Mais au moins, il y a sécurité. Si la personne il a un petit peu de vertige, il peut éviter de tomber directement en arrière, quoi. Voilà, hop. Mais bon, on est aussi Minecraft, hein. Ça ne nous empêche pas de faire ça. Voilà. Qui a eu mal au cœur là? Qui a eu mal au cœur? Dites-le-moi dans le commentaire. Qui avait mal au cœur? là, hop, ici, j'ai pas fini de mettre les vitres là. Franchement, j'adore la trampoline. Hop. Ça, hop, comme ça. Et ici, derrière, j'ai pas fini aussi. Hop, ici, enfin fini. Après, il faut que je rajoute. Comment dire? Il faut que je rajoute un accueil. Un placement pour l'accueil. Ah, j'ai mal fait ma porte. J'ai pas l'habitude de mettre la porte comme ça. Moi, je mets toujours à l'extérieur. Comme ça, s'il y a un problème avec la lumière, ben, les zombies, ils peuvent pas se cacher derrière l'entrée. C'est le règle d'or de la construction sur Minecraft. Si vous voulez pas que zombies restent comme ça, il faut mettre les portes à l'extérieur. Bon, bref, de ce tuto, on va encore retester une dernière fois. Enfin, une dernière fois, je peux encore faire plusieurs fois. Hein. Déjà, pour les enfants, c'est déjà un petit peu bien. Hop, petit retourné. Oh là 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 là. Mais par contre, ouais, c'est vraiment réduit. Faut vraiment pas louper le coup. Hein. Franchement, il faut pas sauter. Pour éviter de passer à côté, hein. Et maintenant, il faut monter 10 mètres de haut, les amis. Hop, voilà, tout en sécurité. Et après, on saute. C'est haut quand même, hein. C'est vraiment haut. Et c'est terminé, ce trampoline. On va tester une dernière fois avant. Pour avant d'accueillir des gens qui vont jouer dans le trampoline, il faut que je fasse vite parce que ça va faire nuit. Yo! J'ai sauté, j'ai failli prendre un mur. Hop, heureusement que j'étais pas plus haut. Alors, dites-moi dans le commentaire, mes amis, de ce que vous en pensez hein, de ce trampoline. Est-ce que c'est amusant ou est-ce que c'est ennuyant? C'est à vous de me le dire. En tout cas, moi, je m'amuse énormément. Énormément, je m'amuse. Voilà, mes amis, j'espère que vous avez passé un très bon moment en regardant cette vidéo. N'oubliez pas de checker le like, de faire partager.
puis toi qui n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, d'appuyer sur la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao!